Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 sur notre série 100% New Land. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas de tracteur devant. Vous allez dire, mais pourquoi je suis sur ce terrain? Parce que il est à nous. Voilà, il est à nous. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas de moisson, mais aujourd'hui, vous aurez du fauchage. Donc, je vais tout vous expliquer. J'ai acheté un nouveau tracteur. Voilà, j'ai acheté une faucheuse, j'ai acheté un enneigneur, une presse en ébaineuse, ça c'est tout de base. J'ai changé la moisson, je vous ai dit, donc on est sur une. Normalement, on devait avoir la New Land 980, d'accord? Si le jeu ne veut pas laguer, très bien. Une 980. Malheureusement, le manuel de touching ne marche pas, parce que la barre de coupe que je voulais acheter. Ben, je peux pas attacher le cardan, mais pour ce qui est d'attache de la barre de coupe, ça se fait comme avant. Donc voilà, nous on se retrouve avec ce joli petit T6, petit T6, c'est ça, voilà, de 175 qui va faire 165 chevaux avec la petite. Désolé des petits coups de lag, je sais pas ce qui se passe, il pète un câble comme d'habitude hein, la map. J'ai avec ces problèmes de bugs, des machins, tout ça. Avec la canine de base, tout de base. Hein. Voilà, masse, il est déjà sur mon site. Donc aujourd'hui, on va faucher. Dans cette vidéo, vous verrez que la couleur est différente, mais ça vient du mode saison. Parce qu'on va faire de l'enrubannage. Sur l'autre, oui, parce que j'ai acheté deux champs. Donc j'ai emprunté 430 000 euros. D'accord? J'ai acheté, ouais, j'ai 430 000 euros, donc dont l'achat. Ah ben, on me l'a vendu avec des heures. Ah bah, mince alors. Faudrait que je me rembourse. Non, je rigole, c'est le même. Voilà, c'est le même T6. Hein. J'ai pas investi sur un nouveau tracteur, ne hein, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Vous voyez, il fait pas la même couleur. Voilà. Désolé des petits coups de lag, je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, on va faire ce champ-là. Dans l'autre vidéo, vous verrez que l'autre champ n'a pas la même couleur. L'herbe n'est pas n'a pas la même couleur, mais c'est considéré comme de l'herbe. Elle est couleur fanée un petit peu, comme en vrai. Ça vient du mode saison. Hein. Parce que j'ai passé le temps, il me reste un dernier. Dernier passage d'engrais liquide à faire sur les trois champs, comme je pense dans l'autre vidéo, je pense que je vous ai dit qu'il y avait un champ qui avait ces deux étapes, il manquait juste une étape de fertilisation et il était prêt. Bon bah voilà, maintenant donc c'est fait, donc là il reste juste la dernière étape et puis vous aurez de la moisson, pas cet épisode qui va arriver, donc là on doit être le 5 ou 6. Mais ça doit être le 7, je pense. Ce sera le 8 pour la moisson en accéléré. Donc là, vous verrez ça. Dans le prochain épisode, vous verrez de. Merde. On va en délai. Et ça se peut que s'il nous reste du temps, on puisse presser. Je vais essayer de faire pas mal d'activités. Ça change d'attendre la moisson. Et je dis, mais en regardant ces grands champs, je dis, ben pourquoi pas rapporter de l'argent en fauchant et en endaînant nos champs d'herbe. Ça nous rapportait pas mal de sous, parce que ben, les bottes en rubanées, ça rapporte de la thune. Voilà. Et comme on est à 17 000 euros maintenant, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la 980 ben, n'est pas compatible avec le manuel attaching. Peut-être qu'il y aura une nouvelle version. Du coup, ce que je vais faire, là, je fais là d'autres sens. Je vais faire un petit peu un truc propre. Voilà, je vais faire un truc propre. J'ai acheté. Donc, ce que j'ai fait, j'ai testé pour voir si la 990 ou la 680, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs moteurs. Si le manuel attaching marchait dessus avec la barre de coupe repliable. Oui, parce que vous verrez tout ça dans l'épisode 7. Désolé, les bugs de son, des trucs comme ça, je m'en excuse, ça vient de la map. J'ai eu pas mal de petits bugs, hein. Tout à l'heure j'ai avancé un petit peu comme j'ai pu.
Mais vivement qu'on change de map. Alors vous verrez qu'il y a une texture blanche au loin. Je sais pas ce que c'est, mais à mon avis il y aura des problèmes de texture aussi. Avec la mode saison et tout. Mais bon, peut-être qu'il y aura une mise à jour d'ici là. Donc ici, donc on va faucher le champ. La prochaine vidéo, ça va être endainer le champ. Endainer et peut-être presser le champ. Ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Donc ben, comme je vous ai dit, la 680 n'est pas compatible avec le manuel attaching. Du coup, j'ai fait avec la. J'ai testé en location la 9. Bah, normalement c'est la 990. Mais vous avez plusieurs moteurs, comme je vous l'ai dit, et ça fonctionne. Donc du coup j'ai revendu la 980 pour acheter la 990. Bon, j'ai perdu un petit peu d'argent, mais rien du tout. Elle était à 322 000 €. J'ai revendu à ce prix-là, comme j'ai rien fait en termes d'heures. Donc voilà. Et j'avais revendu la petite en même temps, donc vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là, on va tourner en rond dans le champ. Mais oui, comme d'habitude, on tourne en rond. Non, je rigole. Voilà, donc malheureusement j'ai testé pour voir si la 990, donc celle qui fonctionne, voilà, celle qui fonctionne, pouvait passer dans l'hangar. Alors niveau taille, hauteur, ça passe, mais niveau largeur, l'Xbox est un peu trop grand, un peu trop large. Bah du coup j'ai dû acheter un bâtiment à côté du bâtiment où il y a le T6 où il range avec la charrue et comment s'appelle le je vais arriver le T7 avec le combiné. Bah, bon, il n'y a pas beaucoup de place dans cet hangar où il y a des tracteurs, hein. Donc du coup bah, la place qui est libre où il y avait l'ancienne moissonneuse où j'ai pas pu mettre la nouvelle. Ben, ça servira pour le tracteur en rofine. Voilà. La moissonneuse, du coup, j'ai dû mettre un abri. Donc, elle est rentrée, elle est rangée, elle est prête. Moi, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de remorque à barre de coupe. Et se faire chier à se la mettre sur le côté pour moissonner. Là, on aura une barre de coupe qui est reliable, qui est attachée directement sur la moissonneuse. Et elle se détachera pas de la moissonneuse, à part si on la change. Ou on fait quelque chose. Donc là on est à côté, on va être à côté des moutons. Les animaux, je pense pas dans cette série. Je pense ça se peut, mais ça se peut pas. Comme je vous l'ai dit, on verra bien. Donc on va faire des bottes dans Rubané. Le champ est approché. Hop, voilà. Je pensais faire deux épisodes à la suite. Mais bon, le temps que mon logiciel de capture se lance, hein, donc du coup, il n'y en aura qu'une. Et demain, pour moi, bah pour ma part, où je fais la vidéo en ce moment, je vais faire. Hop, ça j'enlève. Je vais faire. Alors, désolé les boss, mais ça, c'est le mapper. Donc, du coup, pour la prochaine vidéo, je la ferai demain par moi-même. Alors, je tourne la vidéo. Parce que je fais toujours des vidéos d'avance, hein. Comme je dis, là je suis à la deuxième semaine ou de tranquillité où j'ai pas de montage à faire. Donc bah, de toute façon mes montages sont très simples depuis un moment. Donc voilà. Donc moi je perds pas de temps. Comme ça là je tourne mes vidéos en avance, je suis tranquille, je peux faire quelque chose. Ça se peut qu'en été, il y a moins de vidéos. Et la série de partie 0, je suis en train de réfléchir, mais peut-être qu'elle s'arrêtera avant la sortie de FS21. Oui, on parle d'FS 21, mais ça fait un an que le jeu est sorti déjà. Parce que au bout d'un moment, je vais recommencer à en avoir marre de cette série. Même là, ça va, j'arrive à tourner, j'aime bien la map et tout, mais avec les lags et tout, j'ai moins en moins envie. Donc j'essaye de tourner au maximum. Mes vidéos, de faire un maximum de contenu et de faire des vidéos en avance comme ça.
au moment où la dernière vidéo sera sortie, j'aurais fait d'autres vidéos d'avance. Désolé pour les bruits extérieurs, parce que par chez moi il souffle et ça fait du vent. Voilà. Donc oui, on est à côté des moutons. Parce qu'il y a la stabule que je reconnais. Ouais, on voit peu la stabule, mais on sait que c'est les moutons. J'ai vu qu'il y avait des cerfs, moi je pense pas qu'on les fera, hein, parce que les épisodes ça va aller vite. Hein. Et de toute façon on fait les mêmes choses. Bon là j'ai voulu varier, je dis au lieu d'attendre qu'on fasse la moisson sur l'épisode 5, ou l'épisode 6, j'en sais rien. Voilà. On verrait bien, vous serez en miniature, vous verrez l'épisode, ou le numéro d'épisode. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une mémoire de poisson rouge comme d'habitude. Je voulais dire un truc, mais voilà. Je sais plus. Ah oui, la moisson. Bon bah, au moins, je me suis dit, je voulais faire votre botte d'or gagner pour gagner un peu d'argent. J'ai dû emprunter 430 000 euros hein, en tout sur la banque. On avait zéro départ. Oui, j'ai craqué, hein, j'ai craqué pour l'emprunt. Désolé des petits coups de lag, hein, comme je l'ai dit. Bah, où on va sur une map, cheater, et je pense que voilà, ça conclura pour effet 2019. Et comme ça pour les 21, je vous expliquerai le concept dans cette vidéo. Bah, pas dans cette vidéo, mais dans les vidéos de FS 21. Et oui, mais pour l'instant, faut contenter de faire ces séries. Voilà. Bon, bah on avance vite. Parce que là, comme j'ai accéléré le temps, le deuxième champ, comme il n'a pas la même couleur, c'est que j'ai accéléré le temps, c'est pour ça. Donc, vous verrez bien dans le prochain épisode. Je vais essayer de la faire juste après, mais je la ferai demain pour moi. De toute façon j'aurai le temps, en ce moment il n'y a pas de vidéo à publier, il n'y a pas de faire de cours, il n'y a pas de faire montage, il n'y a pas l'encodage, donc on est tranquille. Et puis normalement ça va vite pour faire mes vidéos. Donc, voilà. Puis j'essaye de faire plus vite court sur cette série, mais on verra bien. Et ouais, quand j'avance, hein, je ne fais pas semblant. Donc moi, il est prêt en déné, hein, comme l'autre je vous ai dit. Je reçois un mail sur mon portable, comme d'habitude. Ouais, ça, c'est les notifs de Facebook. Et puis voilà. Alors, sur Twitter, je ne suis plus actif. Pourquoi? Parce que le problème avec leur système qu'il y a eu avant sur YouTube, c'est que quand je publiais une vidéo sur YouTube, on pouvait accéder au lien de Facebook et de ma page Facebook pour ceux qui la suivent et de Twitter. Et donc quand je publiais une vidéo, ça faisait automatiquement. Mais malheureusement, depuis qu'ils ont changé leur système, et ben on doit faire tout manuellement. Donc du coup, je fais plus sur ma page Facebook que sur mon Twitter. Oui, de toute façon, il y a mon lien Twitter, mais ça va être changé. Je vais essayer d'être un petit peu actif, vous mettre des petites photos, peut-être de l'avancement des maps, peut-être des petits teasers, des trucs comme ça. Personne ne vous saurait. Voilà. Et puis on verra bien. Donc, là on est à combien de minutes de vidéo? On est à 15 minutes de vidéo. Super, bon bah on va finir le tour et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vois que j'ai tellement bien avancé que je vais finir en off de mon côté. Oui, comme ça sera fait, le champ sera fini. Il y aura juste un déné sur l'eau, sur les deux autres. Et puis voilà. Hop là. Et voilà. Et voilà. Voilà. Bon, on va mettre prêt. Je vais laisser tourner le tracteur parce que dès que j'ai fini la vidéo, bim, je vous laisse.
Voilà. Donc, on va s'éloigner un petit peu de ce tracteur. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description. Il y a mon lien Twitter hein, pour ceux qui veulent me suivre partout, partout. Et puis, la prochaine épisode en déneige. Je crois que j'ai tout dit, n'hésitez pas à partager la vidéo, je pense que je l'avais pas dit, mais on verra bien. Donc moi sur ce, j'ai fait une boulette, je reviens sur le jeu. Donc moi sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis bye bye.